Bonjour mon ami, j'adore les musées. Et toi? Lorsque j'étais petit, j'adorais aller visiter les musées avec mon père. J'aimais particulièrement le musée de l'armée, où j'adorais y observer les armures du Moyen Âge. Il était fascinant de voir les différentes pièces qui composaient ces armures étincelantes, et en particulier les casques. Les armures des rois et des généraux me fascinaient par leurs détails et leurs éléments qui étaient fabriqués avec art et précision. Elles s'étaient très bien faites. On pouvait facilement les distinguer des armures des soldats de première classe. En tant qu'enfant de Dieu, nous disposons également d'une armure, et ce n'est pas n'importe quelle armure. C'est la meilleure armure qui soit, l'armure de l'esprit. Le casque est précisément un des éléments indispensables. L'apôtre Paul parle de cela en disant le casque du salut. Éphésiens chapitre 6, verset 17. En fait, dans un autre passage, il donne plus de détails sur ce casque et dit que nous devrions avoir pour casque l'espérance du salut. Comme le dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Au milieu de tes combats, l'espérance du salut est comme un casque qui te protège des fléchettes de mensonges de l'ennemi, de ses coups d'épée qui cherchent à te blesser. Cette espérance te permet de garder l'esprit clair et t'aide à aller de l'avant. Mon ami, quelle que soit la situation que tu traverses, commence simplement à penser au ciel et à Jésus. Commence à penser à ton salut et au fait que sa bénédiction est sur ta vie. Tu verras comment cela va tout changer. L'espérance du salut te donne la victoire contre les mensonges du diable. Je te porte dans mon cœur. Tu es un miracle. Tu aimerais te sentir plus proche de Dieu? J'aimerais t'encourager pendant les 7 prochains jours par la prière. Tu peux télécharger gratuitement le livre 7 prières pour mieux te connecter avec Dieu. Ce guide audiovisuel t'aidera à activer ta relation avec Dieu et apprendre à écouter sa voix au quotidien. Tu peux le télécharger en cliquant sur unmiraclechaquejour.net. Et ne l'oublie jamais, tu es un miracle.